Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une petite vidéo à la cool. Aujourd'hui, on va pas parler de rétro gaming, enfin pas tout à fait. J'ai décidé de vous présenter en fait 5 chaînes, ouais, 5 chaînes que je trouve sympas et bah, sur lesquelles moi je passe pas mal de temps. Donc il y a des chaînes où c'est du contenu pas très actif mais très intéressant. Et puis il y a des chaînes, pour le coup, il y a du contenu quasi journalier, donc vraiment sympa. Et bah, ça vous permettra de voir un petit peu moi les chaînes qui m'intéressent et peut-être bah, que ça vous fera découvrir également de nouvelles chaînes. Donc on va hop regarder tout ça. Je me suis fait ma petite liste pour savoir dans quel ordre je vous montre ça. Donc on va parler d'abord d'une chaîne japonaise. Donc une chaîne japonaise, certes, mais qui est tout à fait accessible pour tous ceux qui ne parlent pas japonais, notamment ceux qui parlent anglais, vu que toutes les vidéos sont sous-titrées. Il s'agit de la chaîne de Archipel. Donc Archipel a 200 000 abonnés. Donc voilà. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un japonais qui va interviewer en fait des mangaka, qui va interviewer des créateurs de jeux vidéo, qui va interviewer des artistes japonais, et avec des vidéos vraiment hyper intéressantes, hyper travaillées aussi, que ça soit dans la mise en forme, que ça soit dans la présentation, que ça soit dans le son, l'image. Enfin, vous allez voir, on va prendre un truc. Par exemple là, voilà, on a une vidéo. Donc, qui n'est pas très longue, qui dure 8 minutes, avec Yoshitaka Amano, donc le designer en fait des Final Fantasy. Alors, je vais juste augmenter un petit peu le son. Vous voyez?強い紙があると、どうこれを汚すかというかSi j'avais un plein écran, je pense que vous n'aurez色pas付けtoute たり、l'image. Donc, pour ça,形je をle laisse作っcomme たさり、en そ plein の、effet. なんだろうな、あまりこう、Il vous manque苦d'ailleurs痛le ではなくdébut, て、むしろ coupé dans le楽background. しい作業ですね。だからそれは仕事でもそうですし、落書きとかでも楽しいし、まあ、それは Voilà, on met pause. Et donc, vous voyez, ce qui est bien, c'est que c'est très, très posé, en fait. C'est très contemplatif. Et en même temps, on va aussi dans des questions assez profondes avec les créateurs. Ils nous parlent de leur jeunesse, de leur travail. Alors là, c'est Yoshitaka Amano, mais on a, par exemple, le papa de Shaman King. On a Iga, donc le créateur donc, de Castlevania Symphony of the Night. Il y avait une super rétrospective qui était assez longue aussi sur la Dreamcast, où il va interviewer justement des gens qui ont participé. にはまだゲームの企画にもまだなってなかったんですけど、Je diminue そun の peu後le がと son, てもvoilà. あの魅力Donc, des的gens en で、fait それが後々qui ont participé à des jeux sur Dreamcast, の軽いじゃん。qu'on avance un peu. シーマのサイトさんDonc, もそうだvoilà. し、Donc, ça, c'est Yo例え Saito, ばhein, donc セガの直voilà.接Et donc, il とか、présente un petit peu, que まあ、ça soit それまcôté ではわかった、みんson, なわかったcôté んですけど、image, côté例えば、également même まあ、Cara 仕事Design, 終わってからちょっと寄っdes て、artistes, des いろいろ créateurs 話し合っ japonais. Et c'est て、vraiment, まあ、mais hyper, hyper まあ、なんだろう、intéressant. 例えば、Donc, le nom, c'est Archipel. Et まあ、c'est日本でも un何かしexcellent らすYouTuber. るのAlors, かparなcontre, comme vous とか、pouvez le voir, si on regarde un petit peu, voilà, la dernière vidéo, c'était il y a un mois, que j'ai pas regardé d'ailleurs parce qu'elle m'intéressait pas énormément. C'était la création d'un son, donc j'étais pas hyper fan. Par contre, voilà, par exemple, ici, c'est Shaman King, mais je les en fait, j'ai vu quasi toutes les vidéos, je sais pas pourquoi elles sont pas dans la mémoire, c'est parce que je dis sauvegarder à un moment. Et donc, vous voyez, là, c'est à peu près une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, clairement, en termes de contenu, c'est pas un contenu très régulier, mais qui est toujours à propos, toujours intéressant, enfin, toujours, qui est de manière générale très intéressant. Donc, vraiment un très très bon YouTuber. Et donc, ensuite, on va parler. Alors, j'ai noté quoi? Oui, un autre YouTuber qui va être, je pense, intéressant pour vous. Il faut juste que je le retrouve dans ma liste. Parce que j'ai à peu près 130 chaînes hein, que je suis plus ou moins activement. Il y a des chaînes totalement mortes, il y a des chaînes où il y a un peu de contenu. Donc, ça dépend un petit peu des chaînes. Donc, là, il faut juste que je la trouve. Hop, 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 hop. On est où? On est où dans les S? Celle-là aussi doit être, je pense, un petit peu plus connue. D'ailleurs, les deux premières que je vous présente sont, je pense, les deux chaînes les plus connues. Il s'agit de Strafe Fox ou Splash Wave, donc qui est en fait une chaîne qui va retracer l'histoire en fait de certains jeux, que ça soit la jeunesse du jeu, comment est-ce que les créateurs ont pensé à des idées qui ont amené à la création de ce jeu. Donc c'est aussi bien Sega que Nintendo, même si c'est vrai que moi je suis assez fan parce qu'il y a pas mal de contenu, notamment sur tout ce qui touche à Sega. Donc il y a une vidéo à peu près, alors
Enfin, on va juste regarder là, voilà. Donc pareil, c'est pas hyper récurrent comme vous pouvez le voir là cette année. On a eu une, deux, trois, quatre, cinq vidéos. La dernière étant sur Street Fighter 2 que j'ai vu, mais je sais pas pourquoi il me met que j'ai pas vu, mais bon, ok, c'est pas grave. Donc voilà, voilà. On a par exemple le making of de, on va prendre ça pour changer un petit peu de Sega. Donc le making of de Super Mario World et Yoshi Island. Où on va justement regarder un petit peu, bon ça c'est l'intro, c'est déjà très professionnel dans la mise en forme, franchement c'est vraiment impressionnant, c'est aussi ce qui explique qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos par mois, hein, clairement. Et donc là on va aller voir pas mal de comment est-ce que l'idée est venue de travailler sur Super Mario World, les dessins préparatoires, il y a aussi je pense pas mal de points sur voilà, le chara-design, comme la technique aussi, ça c'est vraiment cool, parce que dans cette chaîne on va aller assez en profondeur sur la partie technique, il y aura d'ailleurs une autre chaîne que je parlerai je pense dans une prochaine vidéo, pareil sur des sujets assez techniques. Et donc notamment là, il explique d'un point de vue technique comment faire apparaître la clé pour gagner de la mémoire, parce que c'est un élément qui était très problématique à l'époque. C'était, ben, on avait des ROM et il y avait une place limitée, et comment optimiser la place sur les cartouches de jeu, parce que plus il y avait de ROM, plus ça coûtait cher à produire. Donc voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est souvent assez travaillé. Il y a pas mal d'images d'archives d'époque, des années 90 notamment. Il y a de temps en temps aussi des, alors c'est pas des interviews contrairement à Archipel des créateurs, mais on va avoir en fait des interviews écrites qu'ils retranscrivent dans la vidéo. Donc vraiment très sympa. Vous voyez là, on voit des photos, etc. Donc vraiment une chaîne de très très grande qualité que je ne peux que vous recommander très clairement. Donc vraiment. Il n'y a rien à dire. Donc ça s'appelle donc Strafe Fox. Je mettrai de toute façon en description tous les liens des 5 chaînes que je vais vous présenter là pour avoir justement une idée de ce qu'ils font. Et donc la chaîne existe depuis pas mal de temps. Si vous regardez, ouais, ça, bon, après là, c'était vraiment des trucs un peu test et tout là qu'il faisait. Il a commencé ce format-là depuis, voilà, depuis environ 7 ans. Donc la chaîne, en 7 ans, n'a pas tant d'abonnés que ça au final. Elle a 100 000 abonnés. Donc je pense qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ne la connaissent pas. Et franchement, je vous invite vivement à aller y jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir que si vous êtes passionné par l'histoire des jeux de manière un petit peu pointue, vous allez vraiment trouver des choses intéressantes et ça va vous permettre d'en savoir beaucoup plus sur certaines de vos licences favorites. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on change complètement de registre, pardon. On va aller dans les P. On va aller voir donc une troisième chaîne qui est elle aussi liée au gaming. Vous allez voir. Pam, 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 où elle est. C'est le problème quand on a beaucoup de chaînes, c'est de les retrouver. Yes. Voilà. Donc petite chaîne, 3000 abonnés, enfin petite, il y en a plus que chez moi, mais voilà, en tout cas c'est une chaîne qui n'est pas énorme et qui est vraiment très cool, ça s'appelle Pixelophonia. Donc Pixelophonia, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un groupe, un orchestre qui va en fait réinterpréter des chansons de grands hits de jeux vidéo. Et là, ben, pour vous présenter ça, je vais fermer ma gueule et je vais mettre un peu de son et je vais vous laisser écouter ça. Je sais pas si je mets en plein écran, voyons voir ce que ça donne. Ouais, non. Ça coupe trop l'image si je mets en plein écran. Et donc ça, c'était à Bastille, vous voyez, à Opéra Bastille. Et je crois qu'ils sont français en plus, si je dis pas de bêtises. Donc raison de plus d'aller sur cette chaîne et de vous abonner. On écoute. Thank you.
voilà. Hop. On va laisser peut-être en fond. Voilà. Donc voilà, très très bonne chaîne aussi. Pareil, ils font pas beaucoup de vidéos. En plus, je pense qu'en ce moment, ça doit être compliqué avec, avec le Covid. Hein. On va juste regarder combien ils ont de vidéos. Voilà. Bon, vous voyez, il y a une vidéo là il y a 3 semaines. Il y en avait une il y a 1 mois, 3 mois, 1 an, 1 an, 2 ans. Enfin, voilà, c'est. Bon, il y a 2 ans, ils en ont sorti pas mal quand même, en 2017. Mais c'est environ une vidéo tous les 2-3 mois. Donc c'est plutôt sympa. Après, il y en a quand même pas mal. Donc voilà. Donc il y a pas mal de trucs assez cool. Faut aimer la musique un peu voilà, orchestrale, hein, clairement. Mais je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et bah voilà, si vous aimez un petit peu les compositions, on va dire en orchestral, c'est une bonne chaîne. Moi j'aime bien de temps en temps me mettre dessus, écouter quelques musiques. Enfin, c'est pas mal de RPG, hein, évidemment. C'est vrai que les musiques de RPG sont forcément très emblématiques, hein, de ce style d'opéra, enfin d'opéra, d'orchestre, on va dire. Mais vraiment, c'est du très très bon. Donc voilà, donc ça conclut la troisième chaîne. Et je me suis noté donc 2 autres chaînes. Alors là, on sort complètement de l'univers jeux vidéo. Donc, vous allez voir, on va être sur quelque chose de totalement différent. Alors, c'est vrai que ce qu'on pourra peut-être reprocher à ma sélection, je pense, c'est tout simplement... Pourquoi est-ce que je la trouve pas? Ah, mais pourquoi c'est que je suis plus abonné? Ok. Ah ben génial, YouTube, voilà, c'est les joies de YouTube, je n'étais pas abonné, hop, bon. Donc, je disais donc, là on est sur quelque chose de complètement différent, comme vous pouvez le voir. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de, tout doucement, hein, tranquillement, apprendre un petit peu le japonais. C'est un projet que j'avais de longue date, et puis ça fait quelques mois là que je m'y suis mis, donc je suis assez content des progrès que je fais. Par contre, c'est vrai que apprendre du vocabulaire, apprendre des kanji, c'est bien beau, mais c'est vrai que tout seul, c'est pas évident. Donc, on a un système qu'on appelle de mimétisme, en fait, dans l'apprentissage des langues, qui est plutôt bien et qui est, je pense, très intéressant avec cette chaîne qui s'appelle GP Launch. Donc là, vous allez notamment avoir donc pas mal d'exercices, que ce soit de grammaire, de vocabulaire, d'apprentissage également de vocabulaire, donc des niveaux, ce qu'on appelle les JLPT. Donc vous avez JLPT du niveau 5 au niveau 1, et ça vous permet justement d'apprendre pas mal de vocabulaire. Moi souvent j'écoute, voilà, vous voyez ma dernière session, je crois que j'ai déjà écouté une fois, c'est 2 heures à peu près chaque vidéo. Et en fait j'écoute environ 100-200 mots, ça me permet de les revoir, de les réviser, d'habituer mon oreille au son aussi de ces mots-là. Et puis vous avez pas mal de vidéos également de grammaire, vous avez également, hop, si on va un petit peu plus loin, voilà, des listening practice. Donc ça c'est très important pour vraiment en gros vous entraîner à écouter en fait des petites choses. Alors là on est sur du niveau 5, donc c'est assez facile. This series where we challenge JLPT and 5 listening practice questions. If this restaurant はどうですか? ちょっと駅から遠いですね。駅の南口のカフェはどうですか? わかりました。Bon, pour ceux qui ne parlent pas japonais, je ne vais pas vous mettre toute la vidéo, mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait, vous avez des questions sur la partie listening avec différentes photos comme vous avez là. Et donc vous avez donc restaurant, café, Eiki, qui est donc la gare. Et là, vous avez Ekino, gare du sud. Donc Ekino Higashi. Ekino Higashi. Et donc, en fait, vous devez répondre. Enfin, vous savez, c'est des petites questions, des petits quiz. Ça vous permet de travailler vraiment votre compréhension orale. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est classé en fait par niveau de difficulté. Donc, vous allez avoir les vidéos un peu simples, on va dire, en JLPT 5. Vous allez ensuite avoir le niveau un petit peu élémentaire, qui est donc le niveau, on va dire, JLPT 4. Et ça évolue comme ça. Alors, c'est majoritairement pour les débutants. Donc, c'est vraiment pour ça que je vous présente cette chaîne. C'est qu'on est vraiment sur une chaîne plutôt débutant. Comme vous allez le voir, on est surtout sur du JLPT 5 et 4. Alors, on revient juste en arrière. Hop, on va fermer ça. Vous avez un peu de 3 là avec du vocabulaire. Mais sur la practice, voilà, c'est surtout, voilà, surtout du 4, du 5. Pareil sur le listening. Donc, c'est quand même assez cool. La chaîne n'a pas tant d'abonnés que ça. 18 000 abonnés. Donc,
clairement une chaîne qui pourrait avoir beaucoup plus d'abonnés. Et même si c'est en anglais, je pense que c'est intéressant de se forcer à aller sur cette chaîne pour justement essayer d'améliorer les différents éléments. Il n'y a pas vraiment besoin de parler anglais parce qu'en fait, c'est beaucoup en japonais. Enfin, il y aura quelques explications en anglais. Mais après, toute la vidéo se fait en japonais. Donc, si votre but, c'est d'apprendre le japonais, d'habituer votre oreille au japonais, clairement, c'est une très bonne chaîne. J'en ai écumé pas mal, je vous avoue, des chaînes pour améliorer mon japonais, étant moi-même d'un niveau, on va dire, débutant. Eh bien, celle qui m'a le semblé, en tout cas, le plus approprié par rapport à ce type de niveau. Donc, vraiment plutôt cool. Et ça peut aussi s'appuyer si vous avez, par exemple, un livre comme Genki ou Mina no Nihongo. Je pense que les exercices, que ce soit côté grammaire, que ce soit côté vocabulaire ou côté compréhension écrite, avec l'un de ces ouvrages, donc que ce soit Genki ou Mina no Nihongo, les deux se coupent très très bien. Donc voilà, c'est la quatrième et avant-dernière chaîne pour ceux qui souhaitent apprendre le japonais et qui sont débutants. Et on va parler donc d'une cinquième chaîne que j'ai découvert assez récemment. Alors ici, il y a des vidéos quand même assez souvent, c'est tous les mois, je dirais à peu près, voilà, 4 jours, une semaine, 2 semaines, voilà, il y en a une par semaine à peu près, donc c'est plutôt très cool. Et donc la dernière, par contre, il n'y en a pas souvent, je vais essayer de la retrouver. Et donc c'est une chaîne qui justement parle du Japon. Vous le savez, j'ai fait quelques vidéos sur le Japon, c'est un pays que j'apprécie particulièrement aussi, en dehors même du cadre geek, otaku, enfin, je trouve que le Japon est un pays magnifique et qu'il y a beaucoup de, on a beaucoup de choses à apprendre de ce pays aussi, même si tout n'est pas parfait. Et donc il y a une autre chaîne, la cinquième et dernière, qui s'appelle Nipponirisme. Donc c'est un jeu de mots entre onirisme et Nippon, qui est donc Japon. Donc là, une toute petite chaîne, 683 abonnés, et franchement, vu le travail qui est fait, la chaîne mérite vraiment beaucoup plus de monde dessus. Et donc, cette chaîne, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un Français qui a appris le japonais, qui parle, ma foi, très très bien japonais. Il se débrouille vraiment très très bien. Et en fait, il voyage au Japon et il filme un petit peu ses voyages. Donc, c'est un peu en mode vlog. Mais un vlog, enfin, j'ai vu beaucoup de vlogs sur le Japon. Et là, vraiment, c'est très différent. Il faudrait vraiment que je vous montre une vidéo pour... Peut-être que si je monte la vidéo d'intro, ça peut être intéressant et vous donner envie aussi de découvrir la chaîne. Ah, gomen. Ishin, skushi o kiteta. Moshi mata nemuri ni tsuitara, kono yume o mou ichido. れるのかな。そう。この夢をまだ続けてほしい。いろんな素敵な場所にまだ行きたい。いろんな素晴らしい人にまだ出会いたい。いろんな気持ちをまだ感じたい。 ああ。もう少し。 Donc voilà, je pense que ça présente bien un petit peu la vibe en fait de la chaîne. Donc c'est très posé, c'est très contemplatif. On va à la rencontre de Japonais en fait dans leur vie de tous les jours. Donc vous allez pas forcément, ça va pas forcément être des vidéos avec des paysages somptueux, même s'il y en a hein, évidemment. C'est vraiment un petit peu la vie du quotidien au Japon et de manière très poétique, très posée.
Et moi, je vous avoue que ça me parle énormément, hein. Clairement, c'est pour ça que je vous présente cette vidéo. Et il n'y a pas beaucoup de vidéos, il y a une dizaine. Donc, il y a voilà, une vidéo à peu près par mois, en moyenne, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a 10-12 vidéos. Donc, mais c'est vraiment une chaîne qui mérite votre attention si vous êtes pareil que moi, féru du Japon et avez envie de découvrir une chaîne un petit peu différente des autres, qui n'est pas une chaîne de vlog, en tout cas pas comme on l'entend souvent, comme j'ai pu le faire par exemple. Eh bien, cette chaîne est vraiment très bien faite et en plus, non seulement on va dire c'est très beau à voir, à écouter, mais également le travail qui est fait sur l'enrobage est également de très grande qualité et franchement hein, du très très beau travail de la part du créateur. Je ne sais plus s'il y a son nom, je crois que c'est Guillaume. Ah, j'ai plus le nom en tête. Il me semble que c'est ça, mais je suis plus sûr. Enfin, en tout cas, vraiment, voilà, une chaîne qui mérite votre attention et qui, j'espère, vous intéressera pour le coup. Donc voilà, ça termine cette petite vidéo. Ça a duré quoi? 22 minutes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que au moins l'une d'entre ces cinq chaînes vous intéressera. Pourquoi pas les cinq? Allez, en tout cas, y jeter un petit coup d'œil. Si vous êtes curieux, si vous êtes, on va dire, intéressé pour des expériences sensorielles et un petit peu différentes, ben, clairement, vous trouverez des choses pertinentes dans ce que je viens de vous présenter. Donc voilà, écoutez, j'en dis pas plus, ça sert à rien. Le but, c'est de vous présenter ces cinq chaînes et que vous alliez vous-même les découvrir et pourquoi pas vous abonner à celle-ci. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Jouez bien, évidemment. C'est la base. Et puis, ben, bon visionnage de ces différentes chaînes YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao!